En tout cas, cet État continue de faire couler beaucoup d'encre. Elle est à la une de l'Indépendant. Le journal malien, dans ses colonnes, s'étonne de voir que c'est la toute première fois que les camionneurs sont pris pour cible dans cette zone devenue la cible régulière d'attaques terroristes. Pour l'Indépendant, il y a beaucoup de zones d'ombre dans cette attaque, car les assaillants n'ont ni touché au contenu du camion, ni dépouillé leurs victimes. Pour le journal malien, les motivations des assaillants seraient tout sauf pécuniaires. Pourquoi ont-ils alors tiré sur les camionneurs marocains? Pour l'Indépendant, une enquête va s'ouvrir probablement dans les prochains jours pour élucider les circonstances réelles de cette attaque dans cette zone qui doit être impérativement sécurisée.